Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo que j'ai pensé cette nuit dans la tête. Et ouais, normal. Je vous explique, ça va s'appeler 5 packs, une équipe. C'est con, on ouvre 5 packs or à 7500 crédits et on en fait une équipe. Peu importe ce qu'il y a dedans, même s'il n'y a pas de gardien, on se débrouille, on met un défenseur en tant que gardien. On se débrouille. Donc on va ouvrir ceux-là. Ouais, ceux-là c'est mieux. Donc voilà, on ouvre tout de suite, on va commencer par le premier pack. Au moins un gardien, c'est la base de tout. Au moins un gardien, s'il vous plaît. Ok, donc... Oh ben un gardien. Alors, ce qu'on va faire... Hop, placer dans l'équipe active, déjà. On va tous les mettre, en fait. Ce que je pense garder. Donc on a un gardien. Un milieu central. Un milieu offensif. Et un défenseur droit. On s'en fout en levant. Ok, donc on a un bon défenseur déjà. Ça, c'était le premier pack. On a un gardien déjà haut. J'avais peur de ça. Deuxième pack, tout de suite. Allez, il nous faut un peu de défense. On a, ça va. Nkoulou. Et oui, le truc, c'est que même si on a un collectif de merde, ben, c'est pas grave. C'est le jeu. Ça va être compliqué, je pense. Voilà, on a placé tout ce du deuxième pack. Troisième pack. Bah là, on en a eu que trois. Alors, je vais juste les placer, comme ça, il nous restera encore un peu de place. Alors, pour l'instant, on en est là. C'est dégueulasse. On va essayer, il nous reste encore deux packs à ouvrir. Troisième pack. Non, c'est quatrième. Quatrième pack. Ok. On va bien voir, mais ça risque d'être un peu... On a eu un buteur, en fait, hein, Jonas. Au passage, dans le quatrième pack. C'est toujours bien, hein. Petit brésilien. Sauf que j'ai pas eu d'autres brésiliens, je crois. C'est compliqué. Bon, allez, le dernier pack. Donc, c'est lui qui va. Je vais nous dire si on a des bons joueurs ou pas. Le dernier, dernier. Howard en gardien. C'est bon. On est sauvé déjà niveau gardien. Alors, toi, je peux te vendre direct. On a déjà un gardien. Toi, j'ai pas de défenseur gauche, il me semble. Bon, voilà, les amis. Je fais mon équipe et on se retrouve juste après. Bon les gars, voilà l'équipe qu'on a eu, 78 de général, ça va, mais sauf qu'on a 41 de collectif. Donc ça va être assez compliqué je pense. Voilà ce qu'il nous reste. Donc il nous restait un défenseur droit, un milieu central, un gardien, un défenseur droit, un milieu défensif central et un milieu central. Donc on a eu beaucoup de milieux, heureusement, mais bon, ça va. Donc on va tout de suite se retrouver pour le match. Franchement, vous me dites si le concept vous plaît, parce que s'il vous plaît, je pense qu'on pourra peut-être en faire une série. Enfin, ça dépend, ça va dépendre de vous, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Moi, je trouve ça intéressant. Ça peut être marrant, quoi, donc on va bien voir. On a trouvé un adversaire. Il a 100 de collectif, quand même. Moi, j'ai peur. Hein. 80 général. Aïe. Non, il va nous démonter, on est mort, les gars. Bon, vous le savez, on va perdre, mais ça va être fun. Et si on gagne? Évidemment, il pleut, ça pouvait pas être déjà assez compliqué, donc allez, on se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments du match. Franchement, EA, il devrait faire quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'il pleut, le jeu, il rame. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de trucs à gérer en ligne ou quoi, mais c'est insupportable. Allez. Allez, nos gars, on a confiance en vous. Vous savez que vous affrontez une attaque du Real, mais vous savez que vous pouvez gagner. Howard, on compte sur toi. Howard. C'est bien Howard. Dans le plus grand des calmes. Allez le corner, on le défend, le défend. C'est bon. Allez Martins. Ah c'est ça les joueurs non hors rare. Peut-être parce que je fais de la merde aussi. Vous pensez que c'est moi ou...
Parce que ok, vous pouvez me critiquer, mais c'est compliqué de jouer avec des joueurs avec ce collectif-là déjà parce qu'ils sont pas du tout entre eux et parce qu'ils sont pas très bons non plus et sous la pluie en plus. Vous avez pas idée. Essayez chez vous. Et non les gars, Nkoulou, il est bon Nkoulou. Allez Jonas, on sait que t'as eu une carte boost. C'est-à-dire que tu mérites. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu Nkoulou jouer en technique? Nkoulou. Mon gars sûr. Mon gars sûr, sûr. Mon gars sûr. Bon les gars, 1-0, vous vous rendez compte? Arrête de dribbler, tu n'as pas Nkoulou. C'est qui lui? Qui es-tu? De quel pays viens-tu? Quelle est ta famille? Quel est ton... Qu'est-ce qui se passe? Stendel. Les gars, nos joueurs ils sont partis, vous les voyez ou pas? Oula, non. Allez Howard. Howard, il est là. Nkoulou, tu m'as déçu là. Il est hors jeu. Bon, franchement, sinon. À part mes conneries que je raconte depuis tout à l'heure et tout. Est-ce que le général importe vraiment beaucoup? Bon, ok, le fait que j'ai des joueurs un peu pourris, ça... Personne ne nie. Mais est-ce que le général, ça va jouer beaucoup sur le match? Genre, est-ce que si je mets que des gros joueurs avec 30 ou 40 de général, est-ce que ça va changer grand-chose? On va tenter le longshot? Ok, d'accord. Encore qui? C'est qui lui? C'est encore Stendel. Qui c'est qui a marqué? Montre-moi ton dos. Ah, j'ai pas vu. Stendel, t'es mon ami. Tu vas aller dans mon club, toi. Je sais pas dans quel championnat tu joues, mais tu vas aller dans mon club. Nkoulou et Stendel, les gars. Notez. Mettez-les dans vos clubs direct. Sans collectif. Et vous savez quoi? On passe en ultra offensif parce qu'on est des fous. Enfin, en attaque de folie. Attaque de folie, contre-attaque, les gars. Vous connaissez. Je sais pas que tu connais pas. Bon, un objectif que je me fixe, 5-0. 5-0. 55% de possession, Sale. Les gars. Cherchez Stindle. Moi j'ai confiance, regardez où il est Stindle, regardez où il est. Ok d'accord, il s'est fait couper le pied. Regardez, là il va falloir bien gérer avec Howard. Pff, comment on l'a fait stresser. Il est en panique. Et non on a dit. Ah merde. Et oui on a dit, il va mettre un but là. Et non on a dit. Et non on a dit. Non. On a la chance avec nous en plus les gars. Ils courent pas vite mes joueurs, ils sont mous. Allez Pizek. Pourquoi tu fais déjà technique pour rien? Arrête. Non c'est nul. C'est nul on a dit. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-vous d'accord. Le gardien ou le capitaine, mettez-vous d'accord. Bon, c'est pas grave, oh, ouais, le 5-0 c'est mort. Quel de vous tous a la plus grosse frappe? 83, allez X. On le tente? Pourquoi tu tires pas direct, t'arrives pas? C'est la pluie, c'est quoi? T'as la glace sous les pieds, c'est quoi? Les gars, le physique, ouais, vous avez oublié vestiaire? Allez X, on a dit. Oh! Bon les gars, ça c'était une frappe enroulée. Vous savez, enroulée, tranquille, le R1. Tranquille. On a gagné. C'est parfait. C'est parfait. Donc bon les gars, vous avez compris le principe de la série. 5 packs, une équipe. On se démerde comme on peut. Ça va être compliqué, je pense. Ça m'a plu. Donc je vais refaire un épisode 2. Que ça vous plaise ou pas. Parce que moi ça me plaît en fait de faire tout comme ça. Et on va essayer de gagner. Je pense qu'il va y avoir des phases où on n'aura pas de gardien ni rien, mais bon, on va essayer. Donc voilà les gars, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pouce bleu, abonnez, partagez, commentez. Toi-même tu sais. Peace.